Alors avant que ça commence, si vous n'avez pas vu ma vidéo setup, bah go allez la voir parce que sinon vous n'allez pas comprendre cette vidéo. La vidéo setup sera dans la description. Salut tous, Arthur, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait de Fortnite sur cette chaîne, mais aujourd'hui c'est une petite vidéo mais qui va être incroyable. Il y a un mec qui a construit toute ma chambre là dans Fortnite. Et c'est incroyable, donc aujourd'hui on va réagir. J'ai rien vu du tout, je vous promets. Je vous jure. Je vous jure, j'ai rien vu du tout et j'ai trop envie de voir. Donc lui qui m'a fait ça, il s'appelle Scand TV. Donc n'hésitez pas à le follow à son Instagram, les gars, c'est un BG. Bon, en vrai, je dis ça, mais j'ai toujours pas vu la map, hein. Mais normalement, ça va être incroyable. Son Instagram sera aussi en description. Il a fait ma map, c'est incroyable, donc merci beaucoup mon ref. Et en vrai, j'ai qu'une hâte, c'est y aller, quoi. Donc let's go, c'est parti. Donc du coup, on va mettre le code de l'île. Donc il m'a envoyé le code. 5, 7, 5, 7, 6, 7, 5, 2. Ok. Setup des youtubeurs lancé, les gars. Je suis trop hype. Ok, nickel. Donc, choisir le setup. Tac. Donc, moi, je crois que je suis au deuxième étage. Hein. Donc, là, il y a plein de setups de plein de gens. Non, c'est moi, Arthur Fort. Donc, là, voilà, il y a la Zerti aussi qu'on ira voir. Ah, il y a son setup aussi. On ira voir tous les setups après. On va aller voir le mien en premier, les gars. Après, on ira voir tout le monde. Arthur IGB. Et là, il y a El Foxito. Oh là là. Ok. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Je suis trop hype. 3, 2, 1. Ok, donc là il y a ma porte. Ah oui, là il a fait ça. C'est vrai que j'ai ça. J'ai un petit truc là derrière. Oh là là. Oh là là. Donc là c'est vrai que j'ai ça. Là oui, j'ai une commode avec des affaires et tout. Là il y a ma table de chevet et tout. Ah ouais, mais il a trop bien refait. Open. Oh, mais c'est vraiment ce qu'il y a là-bas. Là il y a la carte du monde. Là il y a une. Mais ouais, c'est trop stylé. Et là oui, en fait c'est la voiture de Retour vers le futur. En fait, je lui ai envoyé ma vidéo setup et il a refait selon ma vidéo setup, quoi. Oh, c'est trop stylé. Ah oui, donc là, il y a mon armoire, là, il y a des trucs en haut. Eh, c'est trop stylé. Trop stylé. Ok, vous êtes prêts ou quoi? Je vais me retourner. Donc là, par contre, ça, c'est ma fenêtre. Donc là, il est un peu moins bien refait, j'avoue. Et là... Oh my god. Wesh. Mon décor. Oh, il est trop stylé. Oh, il est trop... Oh, il est trop stylé. Il est trop stylé, mon décor, gros. Oh, oh la dinguerie. Mec, le décor, il est incroyable, gros. Et là, mon setup. Oh là là, oh là là, dinguerie gros. Oh, c'est trop stylé, mec. Mais mec, mais t'es trop chaud. Mais il est trop chaud. Mec, c'est trop stylé. C'est trop stylé, gros. Waouh. En vrai, le seul truc qui est moins bien fait, c'est les fenêtres, hein, mais... Mais en vrai, à part les fenêtres, gros, c'est incroyable. C'est incroyable, gros. Donc là, il y a mon néon. Oh, il a fait mon spot, là. Juste il est dans l'autre sens. Parce que là, là il vise l'armoire, mais il est là. Là il a mis les bouteilles, les caisses et tout. Oh, il a mis le petit clap ici et le deuxième clap là et les couleurs. Mon panier de basket, il a mis mon panier de basket. Là, regardez. Bon, j'ai rajouté quelques trucs depuis. Vous voyez bien, genre là j'ai le truc Arthur IGB. Là le clap de couleur, le panier de basket ici. Et bah là c'est pareil, regardez le panier de basket. Ici, le clap de couleur. Là le truc Arthur IGB, la plante, mec. Mais gros, c'est trop stylé. C'est dinguerie, mec. Mon horloge de couleur, elle est vraiment... Elle est ici, en plus, elle est vraiment en face de moi. Ici, il y a des plantes. Ah ouais, là, c'est mon truc Breaking Bad. Il manque juste la tour qui est là, là. Donc là, il y a mes deux écrans, mec, ils sont exactement comme ça. Là, vraiment, il y a mon écran là et mon écran ici. Clavier souris, mon gars. En vrai, c'est une dinguerie, mec, t'as géré. Il y a des trucs qui me choquent, genre les détails. Genre ça derrière ma porte ou ça au-dessus de ma porte. C'est des tout petits trucs, mais je les ai trop bien remarqués dans la vidéo. Mec, t'as trop bien réussi même à refaire les couleurs. Genre les couleurs des néons et tout qui reflètent, ça rend même trop bien ça. Ah ouais, là, ça représente le poster Rick et Morty qui est là. Ah bah oui, là, il y a mon globe, voilà, il est là, mon globe. Oh, oh, ça, c'est incroyable, par contre, ça, c'est incroyable. J'ai pas vu, il a fait le piano. Et à côté, regardez ce qu'il a fait. La plaque. Regardez, elle est là. C'est une plaque, les gars, qui vient du Canada. Elle vient vraiment du Canada. Genre, c'est ma grand-mère qui m'avait donné ça quand elle était allée au Canada. Et là, tu l'as refait. Même la caisse bleue. Wesh, le souci du détail, gros. La caisse bleue qui est là. C'est la même qui a là, regardez. La caisse bleue ici. Et là, il y a plein de livres avec un clap. Et là, il a refait les livres aussi. Là, c'est vert aussi. Mais mec, t'as refait tout à la perfection. Ah oui, ça, c'est les trucs Avengers, là. Les posters Avengers. Attends, il y a encore un clap là. Ah oui, je connais même pas mon décor. Putain, j'ai trois claps. Franchement, mec, merci beaucoup, c'est incroyable. On va aller voir un peu les setups des autres youtubeurs parce que j'en ai vu aucun. Mais pour le mien, mec, c'est trop bien refait. Et merci beaucoup, c'est incroyable. Vraiment, je te kiffe, gros, merci beaucoup. On va aller voir celui des El Foxito en premier parce qu'il est au même étage que moi, du coup. Ah ouais. En vrai, je sais même pas comment c'est chez El Foxito, mais. Ok, il a un lit comme ça ici. Donc là, ça c'est son décor, hein, c'est la jungle, comme il dit. En vrai, j'avoue, c'est stylé. Hein. En vrai, je connais pas trop, donc j'avoue que je serais pas te dire, à part le décor qui est plutôt grave bien fait en vrai.
En vrai, ça ressemble. Ah ouais, avec le micro comme ça, en vrai, ça ressemble de ouf. Mec, mais il est trop chaud, hein. Gros, allez follow à son Instagram, il est trop chaud. Il a même pas 100 abonnés sur Instagram. Faites-lui péter les 100 abonnés. Alors, je vais voir ceux que je connais. Déjà, je vais commencer par Lazerty. Ah ouais, c'est stylé. Ah ouais, son décor, il est stylé en vrai. Ah ouais, j'avoue, en vrai, c'est stylé. T'as envie, il a un tout petit bureau avec ses deux grosses potes. Sa cam. Le décor il est trop stylé, il est grave bien fait hein. Ah mon setup, attendez on va clairement voir son setup à lui. Ah ouais. Ah ouais, deux écrans. Le décor en vrai, ça ressemble un peu genre là les étagères comme ça ici là. T'as ben GG mec, ton setup il est stylé hein. Attends, pourquoi t'as mis une perche son ici là? Je sais pas si tu l'avais remarqué, mais t'as mis une perche son ici, je sais pas si c'est fait exprès. Swan. En vrai je vais voir, mais je connais pas leur setup, donc du coup Mais en tout cas ouais c'est stylé. C'est stylé parce que c'est bien fait. Mais après je peux pas me dire ouais c'est bien fait comparé à la vraie vie, vu que je connais pas la vraie vie. Des fois, en fait, je connais de nom, mais je connais pas leur setup. La chaîne de Cola, ça, je connais de nom. Ah ouais. Oh, mais il a un vrai décor, la chaîne de Cola, mais non. Ah, il a trois écrans. Il a un décor avec des mousses acoustiques, des figurines et tout. Back to the Future, mais non. Ah, mais c'est pareil que moi. Mais j'ai ça aussi, mais il l'a pas fait. Dans mon setup, j'ai exactement ça. À côté de ma table de chevet, gros, j'ai ça. Ah ouais, la chaîne de Cola, en vrai, j'ai pas vu ton setup, mec, mais ça a l'air carré, hein. C'est carré, mon ref. Merci énormément à Scant TV, encore une fois. C'est incroyable, les gars. Et si vous voulez aller faire un petit tour sur la map, n'hésitez pas, le code est aussi dans la description. Donc si vous avez Fortnite, bah go aller sur la map. Vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez de mon setup sur Fortnite, s'il est bien refait ou pas. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo, voilà, mais j'avais trop envie de faire ça parce que je trouve ça trop stylé. Et puis bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit pouce bleu, les gars, ça fait super plaisir. On s'abonne, on met la cloche aussi, très important, pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Go rejoindre mon serveur Discord qui est en description, les gars. C'est super cool, on parle tous ensemble et tout, c'est trop bien. Et mon Instagram aussi qui est dans la description. Si vous voulez me parler, m'envoyer des messages ou quoi, tout se passe sur Instagram. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut !